c'est faux. Il est dans sa loge. Mais où que nous prenions, Chambra? En pleine, alors dans l'ordre. Et dans le calme. Comme vous voulez. Trop ne me lâchez pas maintenant. Non, je ne vais pas vous lâcher. Enfin, vous êtes assez grand pour danser tout seul, monsieur. Mais c'est merveilleux avec vous. C'est merveilleux quand vous me guidez. Ça aide, évidemment. Je n'ai pas du tout, oui, c'est très bien. J'arrive pas bien à faire le monsieur. C'est pas mal ce que vous faites, bien. Hein, faites mieux. Oui, c'est pas mal. Vous pouvez pas montrer. Prends ma je n'en prie, rien. Monsieur, enfin, c'est tout de même pas sorcier, non. Une fois, ça. Non, mais je ne peux pas parler de vous, savez. Sociales, tout ça est devenu tellement cher. C'est très lourd, hein, madame. Mais on ne sait pas comment la situation internationale va évoluer. C'est une affaire qui est très... Oui. C'est une affaire, quoi. Ah bon. Voulez-vous que nous reprenions, chère madame? Moi, j'ai dû prendre froid, je prends quelque chose de la fièvre. Moi. Le rôle est très dur, hein, je vous ai prévenu, Maria. C'est pas une question de rôle, c'est une question de chaudière. Mais... Alors, trois quarts d'heure avec bière et sandwich, voilà. Tout le monde n'a pas ma résistance physique et ma santé. Il faut être un peu humain, Simon. Oui, bien que c'est pour que j'en sois crevé. Pas de chou. Continue à vous donner dans ma loge. Oui, c'est mieux, c'est mieux. C'est pas mieux. Bon, cette fois-ci, je crois que le round est pour moi. Demandez-moi New York en PCD Miss Diana Roy.
arrive. Maria? L'américaine. Diana White. On l'attend d'une heure à l'autre. Comment savez-vous? J'ai mes espions formidables. De Marcy. Vous croyez vraiment que Diana White va venir chez ma femme? C'est sûr, on est contre. Diana White. L'Amérique nous est ouverte. Mais Maria alors? Bah, Maria, je crois qu'il faut qu'elle se repose. Bon, j'adore Maria, vous le savez. Mais la tâche était au-dessus de ses forces de toute façon. Ça va? Quel âge elle peut avoir, cette Diana White? C'est pas la belle quarantaine. Oh, elle est moins de bruit, ça. Oh, moi, je trouve qu'elle est plus âgée que Maria. Oh. Ça, il va pas falloir une fille trop jeune à côté d'elle, hein? Oui, enfin, il me semble que pour moi, ce sera mieux. Elle a une sorte de sex appeal, plus en accord avec le mien. Enfin, il me semble, hein? Je me rends pas compte. Ah non, mais je ne dis pas mal de Maria, ah, d'accord. Je crois que dans l'intérêt du spectacle, pour l'équilibre de notre couple, Diana White est préférable. Enfin, elle est habituée aux jeunes premiers américains. Elle ne va pas être gâtée que M. Herman. Ça, c'est vrai, parce que là-bas, alors, ils aiment les vrais professionnels. Oh, hein. Soyez certains qu'il y a des choses qui étaient possibles avec Maria. Pauvre Maria. Pauvre Maria. Oui, pauvre Maria, qui ne seront pas possibles avec Diana. Bah ça, les rapports ne seront plus les mêmes. Pour moi, je crois que c'est mieux. J'ai un type anglo-saxon. Il m'a souvent gêné pour certains rôles trop français. Ah bon? C'est pour ça que j'ai pas joué le Cid, le misanthrope, Tartuffe, Cyrano. Ah oui, vous êtes trop c'est comme moi, ça on me l'a souvent dit, hein. Avec le physique que vous avez, vous ne devriez pas rester ici. Ouh là là. Maria, ça va pas. Je ne critique pas Maria. Oh. Bien sûr. Mon Dieu, paix à son âme. Paix à son âme. Il est évident qu'elle faisait trop français pour le rôle. Trop français. Trop terroir. Maria a un côté paysan, c'est sûr. Elle a un côté enfants. Écoutez, elle pouvait s'accommoder de petits chanteurs falots, ça gênait pas. Alors que l'autre... Mais l'autre, mes enfants, l'autre, elle est typiquement américaine. C'est pas l'américaine. Mais lui, il faut les partenaires dans son genre, là. À l'américaine. Sans quoi il y aura un décalage. Le public suivra plus. Mais il faut qu'elle soit entourée d'une équipe qui saisisse bien l'esprit américain, qui l'est parfaitement assimilé. Enfin. Of course. The right man in the right place. The sense of the show. It's very difficult, but it's absolutely necessary. Absolutely necessary. Wait and see. Yes, wait and see. God save the great Fifth Broadway. Trust me, don't. Poor Maria. Oh, poor Maria. Very poor Maria. Poor. Poor Maria. Poor Maria. De 20 ans qui va me mettre dans cet état-là, hein. Je vais quand même pas me laisser déboussoler par ce gamin. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, madame. Une seconde. Ah, hein. Ça va, madame, ça va? Vous ne vous sentez pas trop faible? Ça va, ma grande, ça va. Oh, vous avez été secouée, hein? J'étais très ébranlée, oui. Je sentis l'autre soir cette funeste répétition, quand je m'évertuais à essayer de faire danser le petit. Le petit? Garçon, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. Ah, monsieur Nicolas! Nicolas, peut-être. Il était bien désolé, d'ailleurs, le malheureux. Qui ça? Eh ben, monsieur Nicolas, c'est lui qui vous a envoyé ces belles roses. Sûrement pas. Ah, oh, puisque je vous le dis. Ce sont les roses de monsieur Grémine. Bah! Mais j'ai bien reconnu l'écriture sur la carte. Que monsieur Herman n'a aucune raison de m'envoyer 5 douzaines de roses. Non, monsieur Herman, c'est le pot de bégonia qui est là, oui. Oh, ben alors ça m'épate. C'est comme ça. Enfin, vous avez lu la presse ce matin? Non, je n'ai pas la tête à lire en ce moment. On parle du spectacle? On ne parle que de vous. Ah bon? J'étais justement en train de vous découper les articles, là. Oui. Tenez, regardez. Suspense. Maria vraiment reprendra-t-elle? Maria vraiment nous reçoit chez elle, elle est là sur un sofa, terrassée par la fièvre, mais fascinante malgré tout, moulée dans un de ses déshabillés qu'elle seule peut porter. Il y a du talent là-dedans, hein? Ah, je comprends. Elle nous tend la main, je la contemple, le sourire franc, direct, l'œil à peine marqué par les affres d'une longue, longue carrière.
Ils ont imprimé deux fois longue. Oh, c'est toujours bourré de coquilles, ce canard, d'ailleurs. Tenez-moi, je vous aime bien sur cette photo-là. Oh, mais j'étais charmante. Oui, mais c'est pas moi, c'est Catherine Deneuve. Ah bon? Ça va être l'article du dessus. Faites attention à ce que vous voulez couper, Puflard, quand même. Hein? Mais celui-là, alors? Oh, Courageuse Maria, c'est superbe comme titre. Malgré l'arrivée de Diana White, Maria Bremond semble décider à reprendre les répétitions de Féfé de Broadway. Elle nous dit « Je barrerai la route à l'envahisseuse Yankee. » Oui, hein, okay. Mais on aura telle la force. Ça, moi, voilà. La question reste posée. Féfé Maria ou Féfé Diana? En tout cas, nous lui crions « Allez, mère, courage !» C'est épatant. C'est épatant, oui. Vous découperez juste le titre « Courageuse Maria », ça suffit. Ah, ça c'est gentil. Ah, c'est très gentil. Qu'est-ce que c'est? Une interview de M. Herman. Ah, allons bon. Il parle de vous? Aucun intérêt. Ouh. Eh ben, dites donc. Ah! Eh ben, dites donc. Ah! Eh ben, dites donc. Ah, vous savez que c'est impossible de lire avec vous. Oh, ben, dites donc. Oh, ben, dites donc. Ah! Vraiment, on lit des choses. On vous gâte, non? Oh, regardez vos réflexions pour vous, on me gâte. Oh, bah dites-nous à vos petits gars comme ça en admiration devant vous, là. Ah, voulez-vous qu'il y ait de l'admiration pour moi? Bah, pour votre courage. Ah, bah d'accord. Votre cran, c'est du respect. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait du respect pour moi? Bah, parce que vous l'imposez, tiens. Moi, j'impose le respect. Il n'y a pas une personne moins gardée que moi. Toujours à moi l'un, toujours à moi l'autre. Les machinistes m'appellent Maria. Ah! Parfaitement. Les jours de grève. Ah! Alors, je ne vais pas dire que j'impose le respect. Vous impose le respect à vous, là, la grosse buffleur. Ah, mais ça dépend de ce Non, il n'y a pas une once de respect dans cet article. C'est bourré d'insolence, au contraire. Mais je vois le genre du bonhomme, il lui faut tout. Donneur, Dark, Rampling, Miu Miu, Maria Bremond, toutes dans le même sac. Il va avoir du fil à retordre avec moi, le malheureux. Qu'est-ce que c'est? Ah, une seconde.